Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Starbound D4 Please Giraffe. Nous ne sommes pas encore dans la combat update, hein, je vous rassure. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle arrive, mais seulement j'imagine qu'elle va pas être très éloignée. L'arrivée va pas, la sortie va pas être très éloignée de l'heure actuelle. On va reprendre donc sur le serveur, cette fois-ci on est sur le serveur. Je pense qu'on va y rester un bon bout de temps. On va reprendre l'exploration de base. Pourquoi donc? Simplement pour être sûr d'avoir visité à peu près tout ce qu'il y a à visiter dans les planètes donc de bas level, entre guillemets, déjà pour commencer. Et ensuite on verra donc ce qu'on peut absolument trouver ou ne pas retrouver sur certaines planètes. Et donc voir un petit peu, pouvoir différencier ce qu'on cherche, enfin ce qu'on pourrait chercher sur certaines planètes et ne pas le chercher sur d'autres. En l'occurrence, nous préparer à faire des colonies dans les biomes. C'est vraiment, vraiment ça le truc. Réussir à distinguer chaque biome et les distinguer de chaque planète. Voilà. Parce qu'apparemment, les personnages diffèrent selon les biomes dans lesquels on les crée. Vous rendez-vous compte de la chose? Moi, j'ai eu du mal. Je vais boire un coup. Hop. J'ai soif. Voilà. Alors, allons-y. Hop. Nous y sommes. Et ça commence de nuit. C'est génial. Passage, est-ce que j'avais lu le bouquin? J'avais lu le bouquin. Cool. Ça, je peux rien en faire du tout. Pourquoi pas? Je vais simplement mettre un petit peu de ça, tiens. Regardez. Hop. Et dedans, je vais mettre du vert. Hop. Et sur les côtés, je vais mettre deux torches. Hop. Voilà, comme ça, on pourra bien remarquer quelque chose qui n'est pas normal. On y va. On prend une épée. Vous savez quoi, on va prendre même, dégage, les différentes plantations qu'on pourra trouver ici. Hop. Les écureuils, vous mourrez. Là, il y a une simple chaise, pourquoi pas. Hop. On est mouillé, donc on saute beaucoup moins facilement, apparemment. Alors. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très très simple, au final. Pourquoi pas? Un coffre. Reprenons l'exploration de base, chers amis, ça se passe plutôt bien. Se passe plutôt bien. De toute façon, il va pas y avoir de difficulté sur cette planète. Hein. Encore une fois, on est sur du gentle. Ah, zut. Et je chie dans la colle. Hop. Deuxième. Intéressant. Café, tomate, tomate. Encore du café. Tombe bien, j'aime le café. Hop. Et de toute façon, on ira aussi creuser, chers amis, ensuite. Hein. Hop. Un biome champi. Intéressant. C'est marrant, même les... Oh. Vous voyez, c'est le genre de nouveauté que je découvre qu'en fin de jeu. J'avais pas remarqué. Hop. Même les lianes, là, que vous voyez là, sont en champi.
Et elles fournissent des champions aussi. Comme quoi. Hop. Bonjour. Et je l'ai senti comme une menace, c'est pas pourquoi. Hop. Hop. Résolvons les différents problèmes de couple qu'ils avaient. Récupérons leur toit. Hop. Parfait. Hop. On en a perdu un bout. Hop. Ok. Bon. Juste pour voir, c'est quoi ça? Ornate Wood. Est-ce que je peux en faire un truc comme ça? Parce que je suis désolé là pour le coup, si ça existe. Je veux voir où est-ce que ça existe. Alors, slash admin. Ornate. Ah ah! C'est là que c'est intéressant. Peut-être falloir que je remodifie des choses dans mon vaisseau, chers amis. Ah zut. Non mais t'es sérieux? Sale bête. Hop. 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 Voilà. Bonjour. Au revoir. Oh le gros champi. Tombe. Tombe. Hop, je m'attendais à mieux. Ah, il m'a donné un sapling. Génial. Ah, je m'attendais pas à ça, à vrai dire. Je l'avoue. Eh ben, on va en récupérer quelques-uns. Que pour une raison inconnue, je l'imagine très très bien sur une planète alien. Avec les deux types de violets différents. Voilà, ça c'est casse-couille. Vous voyez? Ils ont pratiquement rien de différent, mais le jeu les considère comme différents parce qu'ils ne viennent pas exactement du même arbre. Ça c'est pratique par contre, on va pouvoir se faire les deux. Hop. Hop. Bref, on progresse. Bonjour. Les blocs au-dessus, j'en ai déjà une quantité suffisante. Oh, je suis vraiment déçu par ces blocs-là. Bon, j'ai pris des choses que je ne voulais pas prendre, ça c'est casse-couille. Ah, j'ai encore une planète sur moi. Étrange. Ouais, c'est vraiment très étrange. Je suis pas censé les avoir ces trucs là. Je suis censé les avoir rangés. Non, pas encore. Bon bah tant pis. J'ai tout rangé, absolument tout, sauf ça. Aïe. Non mais oui, il se permet de me donner un coup celui-là, mais il pensait rester en vie derrière quoi. Hop.
Ah, c'est un vendeur? Oh, j'y ai presque cru. Tu vends, toi, peut-être? Ah! Ah! Shield, mushroom, shroom lamp. Je prends. Je suis l'un des vôtres! Non, je suis pas l'un des là. Désolé, c'est fermé. Bon. Hop là. Ah, il n'en peut plus. Hop là. Il n'en peut le plus, le garçon, là. Yo. Hop. Hop là. Bonjour. Ah mince. Bonjour. Ah, il a survécu. Hop. C'était tellement mignon, les gars. Franchement, c'était magnifique. Comme quoi, des fois. Hop là, on se calme. T'étais ouvert. Hop. Hop là. Bonjour. Bonjour monsieur. S'il y en a qui comprennent de quoi je parle, on y est presque, on y est presque. Hein. Oh là, il me tire comme si j'étais... Non mais oh. Hop, non non, t'as rien vu, t'as rien dit. T'as rien fait. Bah pourquoi je peux pas? Ok. Oula. On se calme. Ça je pouvais pas le prendre, ça je m'en doutais. Ça par contre, il y aura des choses à récupérer. Hop, ça aussi. Faisons le plein, faisons le plein. Normalement il y en a dans les bureaux aussi, mais les bureaux je vais pas le faire. Hop, j'annonce. Je ne passe plus sous le bureau. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, inventaire. On a chopé des lunettes, on a chopé ceci, on a chopé cela. Donc l'armement, je vais le virer. Parce qu'il est trop bas level. Et voilà qui est parfait. En progrès. Il neige. Si c'est pas mignon tout ça. Hop. Oui, effectivement, j'ai raté la carotte. Hop. Est-ce qu'on lui dit qu'il passe aussi dans la vidéo? Voilà.
Hop. Raté. Poulet. Poulet. C'est un boss, c'est un boss. Dégage. La chasse est ouverte. Nova Cleaver, t'es sérieux? De bas level par contre, c'est vraiment dommage. Oh, de bas level. Ah si, de bas level. Ok, c'est vraiment dommage en fait. Moi j'aime beaucoup cette épée. Je la trouve méga stylée. Il vient d'éjecter un bloc de slime. Si ça c'est pas épique. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est nul. C'est juste nul en fait. Hop. Un coffre. Tiens donc. Hop, quelques pixels. On va se refaire au niveau des pixels, chers amis. On est mort plein de fois, mais on va se refaire. Tiens, vu qu'on fait la chasse. Ouh, bah le pauvre. Hop. Les fleurs. Ah, on a fait le tour. Bon. On remonte. Hop. Parfait. Hop. Deuxième. On relance. Bon, bah, on n'a pas découvert grand chose sur cette première planète d'exploration. Ici par contre je vais mettre ça. Les lunettes, je sais plus si je les ai déjà. Je les vois pas, pourtant elles sont assez visibles de base, donc bon. Est-ce que ça rend bien hein? Ouh, ça rend pas si mal en fait. Est-ce qu'on peut faire une tenue avec ça ou pas? Pas pour le moment, je pense. Pas pour le moment. Ça c'est quoi, ça? Desert Cloak. On n'a pas un jean de base avec? Un jean de base. Tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un peu trop bleu. C'est un peu trop bleu. Ah bah ça fait très bizarre, mais je vais le mettre. Ça fait genre 1C limite, mais c'est enfin Kigurumi comme dirait l'autre. Alors, pareil que la dernière fois, on va mettre ici quelque chose. Quelque chose d'assez reconnaissable. Hop. Crac. Voilà. On va partir sur la gauche cette fois-ci. Oups. J'ai un vieux coup de pied de la mort dans le... Hop. Excusez-moi. Un instant. Ouah, ça me gratte le dos. Voilà. C'est bon. La joie d'y avec des animaux très poilus. Dégagez. Vous voyez, même type de planète, un biome complètement différent pourtant. Oula, j'ai vu un coffre. Hop. Aïe. Beaucoup de camps. Hop. Hop. Oh, très jolie maison. Avec de... C'est quoi ça?
Un backpack. De voyageur. Je prends. Je prends. Hop. Je veux savoir c'est quoi. Wood platform. Putain, je trouve que la couleur est très particulière. Unraffined wood. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Hop, un log, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah, là il y avait quelque chose. Deux coffres. Oula. On reconnaît le manque de talent. Hop. Blank tech card. Pourquoi pas. Hop, c'est marrant, il y a des trucs, des choses qui ressemblent beaucoup à l'autre planète en fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Tombe! Intéressant, j'ai pas eu du tout de... comment que ça s'appelle de... de sapling. C'est vraiment dommage. Et là non plus, je crois. Oh, intéressant. Intéressant, pourquoi pas. Hop. Hop, récupérons l'eau en même temps. Ce si précieux liquide. N'inquiétez pas, j'ai vu qu'il y en avait en fond, mais je vais pas le récupérer. J'ai récupéré que ce qui est au premier plan. Ok. Voilà. Montrer que quelqu'un est passé. Et a tout raflé. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Toujours pas de sapling. Cependant, on a une maison. En comment? En mince, j'en rappelle plus comment ça s'appelle. En bambou, si je me trompe pas. Bambou. Et des floranes dedans. Hop. Apparemment, certaines parties de notre inventaire sont déjà full. Hop. Et on va mettre à mal ce village florane. Parce que je le vaux bien. Voilà. C'est dit. Une épée un peu plus balèze apparemment. Ok, jusque là ça se passe assez bien. Là aussi. Personne n'est venu par là, non c'est bon. Hop, un bon vieux massacre. Ça faisait longtemps. On va les noyer sous l'eau ces plantes. Hé, tu vas boire la tasse. Hop. Alors, elle est bonne. Hop. Hop, hop. Bon, on va y aller un peu plus violemment. Après tout, pourquoi pas. Pourquoi devrais-je me retenir avec ces gens? Boum. Lance-grenade. Hop, les. Coffre.
Hop. Tu dois être la concubine. Elle s'est enfuite. Hop, voilà, je préfère. La mort à tous les Floranes. Florent. Non, Florent, c'est un vrai nom. Floran, par contre, il y en a beaucoup moins. Oh, rebond. Oh, rebond. Oh. Oh, ce manque de respect. Je le bats au rebond, chers amis. Hop. On l'appelait ping-pong avant. Comment qu'il dit dans le remix de... comment, de Karate Kid? Comment il s'appelle le gamin déjà? Dre. Ping-pong Dre qu'on l'appelait. Mais bien sûr. En Chine, ils naissent avec une raquette de ping-pong dans les doigts. Donc bon. Tu me diras, en plus, attaque un vieux en se disant, il va être trop mauvais. Mais non. T'en vas pas. T'en vas pas. Plaf. Plaf. Hop. Hop. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que le village est terminé? Ça y est, bon, un village de rasé, ça c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Hop. Tu dois récupérer un maximum de fibres. Hop. Voilà. Parfait. Curieux de savoir où est-ce que j'en suis niveau fibre. 238, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Bon, on va passer la fibre là, parce que bon. Contrairement à ce que certains croient, non, je n'ai pas la fibre optique. Ça m'empêche pas de pas mettre 3 vidéos par jour. Ou de mettre 3 vidéos par jour, justement. Hop, les... Qu'est-ce que t'as lâché comme épée? Ce n'est pas une épée, c'est une dague, voyons. Hop. Une dague moisie, qui plus est. Je me sens blessé et vexé. Non. Ah, bla. Ce n'est pas la même. Oh. Hop. Il y a le pantalon qui va avec, c'est génial. Pas dedans, non, je vais vérifier quand même. Hop. Aïe. Hop, il y avait un coffre avec une... Ah, là il y a autre chose par contre. Une deuxième fois. Tant pis. Oh, j'étais sur le serveur, j'aurais peut-être dû le laisser dedans. Je sais pas. Hop, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Hop, là, ça fait sentir la mort par là. Et on a fait le tour. Hop. Eh bien écoutez chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures sur le serveur. Yop.